À partir du centre-ville, plusieurs pèlerins choisissent d'éviter la petite courbe qu'impose le GR et de monter droit devant malgré la rudesse de la pente. Essoufflés, certains décident de s'arrêter chez Christian Écreteau. Généralement, quand ils arrivent, ils sont rouges écarlates. Et donc, la première chose qu'il leur faut, c'est se réhydrater. Donc, on leur offre une boisson, bien sûr. Et puis après, une fois qu'ils ont pris leur douche et tout, eh bien, d'autres activités comme la piscine et tout sont là pour les remettre à l'état. L'Arbladoise offre au choix de dormir en format gîte ou chambre d'hôte. On a tout un artifice à disposition, que ce soit aussi bien pour le massage des pieds ou pour le massage intellectuel, puisqu'on a un espace réflexion qui permet à certains qui le souhaitent de s'isoler également. Alors que Christian s'affaire à ses fourneaux, Corinne, à l'étage, prépare la journée du lendemain. Elle en est à son troisième chemin. Ça me nettoie la tête, c'est mon détox annuel. Je me vide la tête et en même temps, ça me fait du bien au corps et à l'esprit. Depuis quelques jours, Corinne chemine avec Loes, une Hollandaise. Ça t'empêche pas de les commander et de réserver pour la veille de ta... Loes a pris la route suite au décès de son mari. J'avais déjà l'intention de le faire une fois, mais mon mari n'était pas sportif, il ne voulait pas venir. Et après, bon, après sa mort, je me disais, bon, c'est maintenant le moment. Et ça m'a beaucoup aidé à supporter, enfin, le deuil, si vous voulez, sa mort, et donner place au chagrin. Oui, à la peine. Oui, voilà. La laisser prendre sa place. Oui. Bien armé de courage, il va, le pèlerin, bravant les éléments, les dangers du chemin. De toutes conditions, de tous les continents, tous unis par la foi, les mêmes sentiments, que ce soit à cheval, à pied ou à vélo. Béni soit le chemin qui mène à Santiago. Je vous invite tous à déguster donc du floc de Gascogne et un petit morceau de foie gras. Puisque le Gers, c'est d'abord la personne. Santé. Ah oui, c'est bon. Je vais mettre ça en haut, ça en bas. En marchant, on se confie plus facilement et en plus, on sait que ce sont souvent des rencontres d'un jour, d'une semaine. Et je crois que c'est plus facile. Je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'on se confie facilement. Il y a des liens qui se font plus avec d'autres personnes, évidemment. Mais je crois que c'est l'esprit du chemin qui fait qu'on a envie quand même de garder contact et de garder un lien d'année en année avec des personnes. Mon sac, il est trop rempli. Je porte sans nourriture 10 kilos. Alors avec la nourriture et le reste, ça va être 12 kilos, je pense.
Les premiers jours, ça a été vraiment très dur. Je crois que mes jambes ne me supportaient plus. On n'aurait pas dû se resservir deux fois hier soir.